Esprit Saint, rends nos cœurs parfaitement libres et purs et aide-nous à vivre en plénitude la marche à la suite du Christ pour goûter comme le don ultime venant de toi la joie qui n'aura pas de fin. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, en ce jeudi 2 février 2023, fête de la présentation du Seigneur, l'Église célèbre aussi la journée mondiale de la vie consacrée. Cette journée a donc une importance particulière pour toute personne consacrée qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite. Cette journée d'action de grâce est une invitation pour toutes les personnes consacrées à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Pour cela, elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir dans un regard de foi toujours plus pur le rayonnement de la beauté divine diffusée par l'Esprit Saint dans leur forme de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable dans l'Église pour la vie du monde. En présentant Jésus au temple, Marie l'offre à Dieu, reconnaissant ainsi le droit de propriété totale du Seigneur sur le Messie. Elle se dépouille de son droit de propriété maternelle sur son Fils Jésus. La présentation de Jésus au temple fait le trait d'union entre l'ancienne alliance qui demande à l'homme de s'associer à l'œuvre de Dieu à travers des sacrifices, et la nouvelle alliance qui demande que l'on s'associe à l'offrande que Jésus a faite de sa vie à Dieu. Siméon, cet homme de foi, d'amour, d'espérance, prophète, radieux, vieillard, lampe ardente, est envoyé par l'Esprit au-devant du Messie. C'est un homme d'esprit pleinement ajusté au vouloir de Dieu. Il reçoit l'enfant Jésus. C'est la nouvelle alliance dans les bras de l'ancienne. Voilà réalisée la première rencontre de Jésus avec son peuple. Et cette rencontre s'effectue dans la liturgie d'une manière plus surprenante. Marie porte l'enfant comme nous portons nos cierges allumés en cette fête de la chandeleur, signe de notre baptême. Jésus est la lumière du monde. Marie, habitée par l'Esprit Saint, le serre sur son cœur. Il est ce petit qu'elle aime plus que tout, qui vient à la rencontre de son peuple, qui attendait la consolation d'Israël.
toute l'humanité sera éclairée par la lumière qui émane de cet enfant. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.